Donc ici, on est à mi-coteau, on surplombe un petit peu notre domaine que vous pouvez voir au fond. Et on a un point de vue assez intéressant sur les différents types de terroirs qu'on exploite, où on a planté la vigne. Donc tout en bas, sur les moyennes terrasses, où est implanté le domaine d'ailleurs, on travaille en vin de pays, c'est-à-dire qu'on va rechercher des équilibres sur le fruit, sur la fraîcheur, pour faire principalement des vins de plaisir. Et on ne recherche pas forcément des grosses concentrations, mais plutôt des vins à boire, des vins vraiment de plaisir. Ensuite, on monte et on arrive sur l'aire d'appellation Saint-Chinian, donc on grimpe sur les coteaux argilo-calcaires. On peut voir les vignes qui sont implantées. Vous avez une petite Syrah juste devant et un Grenache noir qui est ici derrière. Là, on va rechercher un petit peu plus l'expression du terroir. Donc, on va travailler sur des rendements plus faibles. La vigne est un peu plus stressée parce que les sols sont plus pauvres. Donc, on va avoir des raisins qui vont être un petit peu plus concentrés, qui vont donner plus de matière, plus de mâche au vin et aussi un petit peu plus de complexité dans les assemblages. Et ensuite, tout en haut, sur le pêche de Viranel, donc ce qui domine vraiment le domaine, en haut de la colline, on est sur des terroirs villafranchiens, qu'on appelle ici des cresses. Alors on se trouve ici sur les hauteurs du domaine, à environ 135 mètres d'altitude. On est sur les terrasses villafranchiennes dont parlait Nicolas tout à l'heure. Alors contrairement aux autres terroirs, celui-ci présente un sol acide chargé en cailloux schisto-gréseux, ce qui va permettre d'élaborer des vins à forte expression. En fait, c'est un terroir qui est très drainant, donc la vigne va être obligée d'aller puiser vraiment les minéraux essentiels sur ces petits cailloux. Et alors, si on fait un petit tour d'horizon, on peut apercevoir là-bas au loin le Caroux, et on se rend bien compte du microclimat qui peut régner ici. Voilà, on est situé entre plein de petites collines et chaque parcelle est clairsemée au milieu de la garrigue. Donc on essaie vraiment de garder cette identité et ce côté terroir qu'on va retrouver dans les vins. On est en agriculture raisonnée, donc on n'apporte aucun élément chimique dans nos sols. Ce qu'on fait, c'est qu'on récupère notre propre marc de raisin, une fois les fermentations terminées, pour le composter sur une aire de compostage, donc on le garde ici pendant une année complète. Donc c'est tout ce qu'il y a de plus naturel. Ça permet de réapporter en fait les éléments minéraux qui ont été exportés par la vigne l'année précédente. Et on amène le strict minimum sans apport de chimiques.